ni baba, Moïse ni mwema, Moïse mulizi wa watoto wa Katanga. Sisi wa Katanga wote tuko nyuma yako, hatutakwacha hata mu mateso. Moïse ni baba, Moïse ni mwema, Moïse mulizi wa watoto wa Katanga. Soleil de plomb, chaleur intense, samedi 8 octobre, des foules habillées tout en blanc marchent sur les principales artères de la capitale cuprifère. La marche chute au gouvernorat de province. Son objectif, remettre au gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe une collecte de plus d'un million de signatures refusant la retraite politique de Moïse Katumbi Tshapwe. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Quel travail a-t-il accompli pour être un homme aussi réclamé par la population? Retour ici sur le travail exceptionnel d'un homme politique qui a marqué le cœur de ses administrés. Il s'agit d'une enquête menée par une équipe des journalistes. Un ancien élève de Kakapoloé qui est élu comme gouverneur de province. Il est élu où ça? Il est élu au bâtiment du 30 juin. I'm gonna sing about life. Life is so beautiful to live. To believe. Moïse Katumbi Tshapwe, gouverneur élu de la province du Katanga depuis février 2007, est donc né aux environs du lac Mwero le 28 décembre 1964. Homme d'affaires qu'il était, celui-ci a décidé d'embrasser la carrière politique avec son slogan « Stop à l'injustice sociale, tumechoka mateso ». Moïse Katumbi, qui est plein de compassion, s'est alors décidé de s'investir dans le social de la population katongaise. Pour y arriver, il lui faut rapidement former son gouvernement. Celui-ci, composé d'une seule femme et de 9 hommes bien outillés, avec un bagage intellectuel important, s'aligne dans la vision du chef de file mieux de l'exécutif provincial, car ne dit-on pas, un seul doigt ne peut nettoyer tout le visage. Le travail commence avec tact. Et dans un laps de temps, c'est tout le monde qui parle de cet homme de tumechoka mateso, le champion du social, l'homme de terrain, qui a comme cheval de bataille redoré le Katanga de son blouson d'antan. Cet homme, engagé dans la politique avec des méthodes administratives personnelles, pense pouvoir renverser la vapeur. Voilà pourquoi, dans notre enquête, nous nous sommes lancés sur la piste de son travail. Connu pour ses importantes mines de cuivre et de zinc, Kipushi-Yamaboke est un territoire situé dans le sud du Katanga en République démocratique du Congo, à proximité de la frontière avec la Zambie, au sud-ouest de la capitale du cuivre précisément à 30 km. Ce beau paysage nous introduit dans le district du Haut-Katanga. Comme vous pouvez le voir, c'est la journée qui commence. Tout le monde va qu'à ses occupations et elle s'annonce aussi pour le commissaire de district du Haut-Katanga, que nous avons rencontré dans son cabinet de travail. Juste à côté, un lot important de sacs de ciment doté par le gouvernement provincial pour la construction des nouveaux bureaux du district et écoles dans cette partie du sud Katanga. La cité de Kipushi, c'est une cité vraiment calme et toute la population va à ses occupations régulières sans problème. Nous avons eu le bénéfice d'obtenir de la part du gouvernement provincial un grand financement qui remonte à 500 000 dollars. Et avec ce fonds-là, nous avons pu résoudre les problèmes de raccordement en électricité, les problèmes d'éclairage public. Et ce qui a été gigantesque par rapport aux réalisations au regard de ces fonds-là, c'est la construction d'un grand complexe hospitalier qui n'est pas à la fin. C'est grand par rapport à l'implication du gouverneur qui avait compris que la cité de Kipushi avait vraiment besoin de cet hôpital
et il ne s'est pas gêné pour ajouter de l'argent pour que l'hôpital puisse être amélioré. C'est un homme du social. Peut-être les autres ne peuvent pas le dire, mais moi je me permets de le dire parce que même au niveau du district où nous sommes aujourd'hui dans ce bureau, c'était un bureau qui n'avait pas l'image qui est présentée aujourd'hui. Cette façade n'existait pas parce que c'était une entité démunie des moyens, mais le gouverneur a compris et nous a doté des moyens pour que nous puissions fonctionner. Nous ne pouvons rien redire sur les frais de fonctionnement qui viennent mensuellement. Nous sommes à l'aise, nous sommes dotés de véhicules, nous avons notre carburant chaque jour et c'est vraiment pour faire voir que résoudre le problème d'une autorité qui est placée quelque part pour que cette personne soit à l'aise pour faire le travail attendu, il faut vraiment avoir le souci. Ce bijou qui est l'hôpital général de référence au Kipushi, construit grâce au financement colossal débloqué par le gouvernement provincial du Katanga avec à sa tête le 36e gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe, qui change la cour d'histoire de cette province par sa sensibilité et le souci de reconstruire celle-ci, qui est la deuxième ville économique de la République démocratique du Congo. Voici comment y est présenté. Maternité, bloc opératoire, dispensaire, médecine interne femme, médecine interne homme, médecine interne, pédiatrie et chirurgie, bâtiment administratif et la morgue. Il est à souligner que dans le temps, Kipushi n'avait qu'un seul hôpital pour 174 429 habitants. Il était prévu par le gouvernement provincial de faire 13 km de route dans cette cité minière, mais dans un plan d'urgence et réduit, le travail s'effectue sur 6 km de route. Les avenues asphaltées sont Loapula, qui est déjà terminée, et du 24 novembre, qui est en cours d'exécution. Vous nous voyez là en train de faire les travaux d'assainissement, donc on prépare les traversées, on prépare les drains, et peut-être qu'à niveau, et finalement, nous allons maintenant reprendre avec les travaux proprement dit de l'asphaltage qui va continuer bientôt là, dès que nous aurons fini avec les traversées que vous aviez visitées tout à l'heure. Cette implication du gouvernement provincial qui résout régulièrement les problèmes de ce district permettra à celui-ci de prendre un élan nouveau et de rendre visibles ses actions d'ici fin mandat du gouvernement Katumbi. Cet endroit est appelé Kimplandé, beau paysage qui nous introduit dans la ville de Likasi qui se dessine en quatre communes à savoir Kikula, Likasi, Ponda et Chitoro. Appelée ville montagneuse parce que pleine des collines, Likasi est située en plein centre du territoire de Kambov. Deux communes seulement nous ont intéressés vu leur superficie, démographie et activité. Il s'agit de Chitoro et Likasi. Chitoro est une commune qui gère quatre quartiers, Kimplandé et Izès, qui sont des quartiers urbains. Boulouo et Nguya sont quant à eux urbano-rural. La commune de Likasi, quant à elle, bénéficie d'une rétrocession, comme toutes les autres d'ailleurs de la province, du gouvernement Katumbi pour pallier tant soit peu au paiement des agents, quoique pas facile, et régler quelques problèmes. Toutes les grandes entreprises minières, brassicoles, les grands marchés, se retrouve dans cette commune dirigée par la princesse Dominique Munongo Inamizi, fille du roi Msiri, qui suit les traces du vaillant gouverneur Moïse Katumbi, qui n'est pas essentiellement un bureaucrate, mais l'homme de terrain. Moi, je suis très satisfaite de l'évolution des différents chantiers, comme vous avez constaté dans ma commune du reste. Donc, tant au niveau de l'entrée de la ville, sur la route de Kolwezi, en tout cas, ils sont là, j'ai vu les engins. Et régulièrement, je passe par là. Ils ne savent même pas que je suis là pour en fait surveiller, inspecter un peu les travaux à distance. Mais là, je suis doublement satisfaite parce que je viens de trouver les gens sur terrain. Il faut dire que les cinq chantiers sont visibles non seulement à Lubumbashi, comme les disent une certaine langue, mais ça avance lentement mais sûrement dans toutes les autres villes et contrées du Katanga. Il faut être borne pour ne pas apercevoir le travail qu'a fait Moïse Katumbi Tshapwe et son gouvernement. Il y a de quoi le reconduire à la tête de la province pour un second mandat. Nous avons réalisé ici à Likasi avec l'entreprise Vulco un projet de 18 km de route qui est d'ailleurs en cours d'exécution. Et le dit projet était réparti en 5 lots essentiels, dont le lot 1 qui était constitué par le boulevard Panda dans la commune de Likasi, qui représentait 2 400 km,
où les travaux sont déjà à 100%. Et les deuxièmes lots, c'était dans la cité des Pandas, où on avait les avenues Aluminium, du Cercle et du Stade, qui représentaient un total de 1,7 km, où les travaux sont aussi à 100%. Et le troisième lot, c'est dans la commune de Kikula, où nous avons un total de 3,7 km, où les travaux sont aussi à 100%. Et les avenues étaient Foyer Social, Matala, Maniema et Lomami. Et les travaux sont déjà finis là-bas. Le quatrième lot, il est réparti dans deux communes, parce que la route de Mivuka, il prend une partie de la commune de Likasi, ainsi qu'une partie de la commune de Chituru. C'est une distance de 2,2 km allant de la route Lubumbashi jusqu'à l'actuelle université de Likasi. Là, les travaux sont en cours d'exécution où il y a la couche de fondation qui est à 100%. Et présentement, là, on est en train de faire l'assainissement ainsi que la couche de base. Mais il y a aussi le cinquième lot qui est constitué par la route Kampumpi-Kakontwe, où on a un total de 4,8 km. C'est le cinquième lot de notre projet que nous sommes en train d'exécuter avec l'entreprise Rulco. Pour avoir le cœur net, nous avons inspecté la même trajectoire. Aucun commentaire car Likasi Abilima revêt de sa robe d'antan grâce à cet homme qui a promis de changer cette province durant son mandat. Même s'il n'a pas répondu totalement aux attentes de la population, au moins le gros est fait car on ne peut reconstruire un pays détruit 32 ans durant en 5 ans avec tant de bâtons dans les roues. Le rond-point de la femme appelé Monument de la paix pour la femme congolaise est une sculpture financée par lui-même, Moïse Katumbi Tchapwe, et a été réalisée, aménagée et réhabilitée par le groupe Bazano. L'avenue Panda est celle qui mène à la cité qui porte le même nom. Les caniveaux sont construits pour la canalisation des eaux, arbres peints, et on peut encore aujourd'hui parler de l'hôpital général de référence grâce aux différentes interventions du gouvernement provincial. De là, cap sur la route Kampompe et Kankontwe. Pour terminer la visite sur la route Mivuka qui nous conduit même vers l'université de Likasi, ancienne extension de l'université de l'UNILU devenue à ce jour une structure indépendante. Cette université est en train de s'étendre et pour accueillir encore plusieurs étudiants, d'autres bâtiments sont en construction. Et pour les accompagner davantage, un bus, don du gouvernement provincial, a été mis à leur disposition. Du centre-ville à l'université, les étudiants payent 150 francs seulement pour atteindre les cités universitaires. Toutes les couches de la population préoccupent au plus haut point les pensées du 36e gouverneur de la province du Katanga. Alors qu'on regagnait la base vers Lubumbashi, nous avons constaté que la route Likasi est asphaltée de bout en bout grâce au gouvernement provincial du Katanga, sous l'impulsion du vaillant gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe. Avec de part et d'autre des nouvelles bâtisses qui font la fierté du Katanga et ce monument qui incarne l'idéologie du troisième président de notre pays, Mzé Laurent Désiré Kabila. Le soleil se lève, il est 5h45, la journée commence dans la capitale cuprifère. Fondée en 1910 par les Belges sous le nom d'Elisabethville, d'après Elisabeth de Bavière, devenue reine des Belges, Lubumbashi tire son origine du nom de la rivière au bord de laquelle elle avait été fondée. À l'occasion de la politique et philosophie de retour à l'authenticité prônée par le président Mobutu, la ville jadis Elisabethville portera le nom de Lubumbashi en 1966. Lubumbashi, siège de plusieurs grandes entreprises congolaises dont la Gécamines et la SNCC, deviendra ainsi en 1997 une ville parlementaire sur décision de Laurent Désiré Kabila. Le théâtre de la ville devient le siège du Parlement congolais. Cette ville comptait en 2010 une population de 1 488 000 habitants. C'est la première commune dans la ville de Lubumbashi. Et cette commune, après l'indépendance de notre pays,
a connu des dégradations très avancées en ce qui concerne ses infrastructures. Et c'est ce qui nous a amené à un certain moment, on ne parlait plus de cette dernière. En tant que première commune, elle s'appelle d'abord commune Kamalondo-Wantanchi. Et malgré qu'on l'appelait commune Kamalondo-Wantanchi, mais l'état du lieu faisait peur. Et la pollution énorme, les salubrités énormes, puisque quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé sur l'avenue circulaire plus ou moins 18 montagnes d'immondices de hauteur considérable. Et ça m'avait même tiqué quand j'étais ici, et les premiers jours. Je ne savais pas comment on pouvait s'en sortir. Mais nous avons trouvé au niveau de notre gouvernement provincial, on parlait déjà de l'opération Usafi, et ce qui a fait que, avec le concours de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province à la tête de notre gouvernement provincial, on a commencé à animer, on a commencé à sensibiliser les gens. Et grâce à leur appui, on est arrivé à l'heure d'aujourd'hui et il n'y a aucune des montagnes d'immondices sur l'avenue circulaire. On s'est investi au niveau des jonctions des avenues, il n'y avait pas de passage. Et une véhicule ne pouvait pas quitter, surtout des taxis, ne pouvait pas quitter du début à la fin de l'avenue. Quand on a encore renforcé les avenues à mettre l'asphalte, notre commune a vraiment subi des métamorphoses énormes. C'est depuis l'époque coloniale que ce bureau a connu un changement de son plafond. Nous avons un très bon souvenir, non seulement au niveau de l'administration, mais au niveau aussi de la population. Donc au moins 80% des routes au niveau de la commune Kamalondo sont asphaltées. Et c'est ainsi que vraiment nous avons à remercier son Excellence Moïse Katumbi Tshakwe pour tout ce travail abattu. À l'autre bout de sa commune, un monstre de fer hisse les épaules. C'est un stade moderne. Le président sponsor de l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglibert, Moïse Katumbi Tshakwe, octroie à son équipe un stade qui revêt déjà du gazon synthétique. L'homme est ambitieux, il dote son club d'un avion. Ce stade est une valeur ajoutée à la commune de Kamalondo. Non loin de là, au numéro 28 de l'avenue Basanga au quartier Kafubu, c'est le siège du groupe d'animation des 100%. Ils commencent leur séance de répétition par la prière, alors qu'ils sont considérés comme un groupe fétichiste. Tutamwambia Mungu atuassiste, mwanzo répétition mpaka mwisho akwe pamoja nasi tuombe. Bwana katika jina lako Mungu atakuwa tukushukuru. Kazi imeshaanza kazi. Mwane 84 tuanza kutumika kazi kwa katebe katoto atukweba mingi tulikuwa ya pepre kintu wa 6 nizo kubataya mimi mwenye president inja kulikuwa kile muta tuanza muta sa ni soliste wetu kulikuwa tubi ni mama Mariam Santras avant ya kusema ma group d'animation ikuye ni shiba kwanza bapre bapiri ni mikishi. Les groupes 100%, ce sont des intellectuels. Parce que nous avons des étudiants dans ces groupes, nous avons des élèves, nous avons aussi des responsables dans différentes sociétés. C'est un groupe qui est international. Parce que le groupe 100% s'est produit à Abu Dhabi, une fois dans l'histoire. Vous savez, Abu Dhabi, ce n'est pas n'importe quelle ville. Hein. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas piétiner la ville d'Abu Dhabi. Donc il faut avoir le moyen. Yo te population te mujima katanga yuna ria mpaka Moïse si tu tasema nini hein si tu ko abantu kama ni 150 bangani 200 mais na population ebe ko bantu ba mingi sana hein atwezi kusema kintu wale bantu kama nasema tufate fujo ati tuko manishi quand même tunapaswa kumsoutenir paka yeye mwenyewe njoo ko na population ya mingi leo na kesho anaweza kusema bomu sans police inakufa inakufa ni yeye ndio baba yetu atwezi kusema oh tutenda wapi 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 ata. C'est le seul gouverneur qui a les soucis de la population. Le seul et l'unique qui sait du moins que non, non, mon peuple doit vivre comme moi je suis. Par exemple, lui ne peut pas tolérer, lui mange chez lui et que la province qu'il gère, les gens meurent affamés. Non, c'est pas normal. Mmh.
l'époque on l'appelait commune verte, parce que c'est là où se trouvaient toutes les fermes de la ville de Lubumbashi. Mais actuellement, vous savez, avec l'extension de la ville de Lubumbashi, la commune annexe a changé de coloration parce qu'il y a des lotissements maintenant qui se créent dans cette ville de Lubumbashi. Bénéficier des infrastructures du 5 chantiers, nous avons aussi bénéficié au niveau de la commune. Et je vais donner l'exemple du quartier Mounoua. Le quartier Mounoua, on a asphalté la route Mounoua qui va vers les cités Caravia. Et on a bénéficié les marchés Caravia. Et en plus de ça, on est en train de nous construire un hôpital moderne, toujours dans le quartier Caravia. De par sa superficie, cette infrastructure sanitaire en construction digne de ce nom peut accueillir une grande partie des habitants de cette contrée et de ses environs. Une construction exécutée par l'entreprise Safricas avec beaucoup de tact et de rapidité. Le travail de construction du dit hôpital avance sans désemparer. En face, c'est une cabine électrique qui reçoit un transformateur de 630 kVA et qui alimentera l'hôpital et toute la cité Caravia sous la coordination de l'ingénieur Aaron Mafuta. Côté Kisanga, vous avez vu vous-même, c'est le péage là, comment on a rangé la route vers le péage. C'est vraiment confortable. Dans le quartier Kalibuka, nous avons un grand pont là-bas, posé beaucoup de problèmes. On a jeté un grand pont qui a facilité le passage des gens de la Kenya vers Kalibuka, même du côté Kampemba vers Kalibuka. Nous avons vu les grands ponts là-bas et même la route qu'on a arrangée qui amène vers les fermes Jacaranda là-bas. On a arrangé la route, on a même arrangé les drains. Côté Naviundu, vous avez vu vous-même si la route Naviundu là qui vient vers Kampemba, qui a contourné des plaines jusqu'à rentrer vers au niveau de la ville. C'est une grande route qu'on a arrangée, qui a pris beaucoup de kilomètres. C'est vraiment une route qui est... La population est satisfaite de cet aménagement de cette route. Le quartier Luo-Oshi, c'est en chantier. Ils ont arrangé, mais c'est en cours. Il y a le quartier Kimbembe. Vous voyez vous-même la route Kimbembe, la route qui tend vers Likasi et la route qui va vers Kasenga. C'est la route qui est vraiment arrangée. Nous allons du côté Kasapa, c'est un chantier vers la prison centrale. L'actuel gouverneur, il s'est confirmé avec ses réalisations. Vraiment, il s'est confirmé parce que presque, à ce qui me concerne, moi, dans tous les 8 quartiers sont touchés par les 5 chantiers. Bien sûr, c'est un grand projet. Vraiment, si le 36e gouverneur, nous avons senti un changement. Lubumbashi Wantanchi reflète son nom aujourd'hui qui signifie le premier grâce au réaménagement des trois quarts, soit 250 km des routes en plein centre-ville par le gouvernement Katumbi qui jour et nuit effectuait les descentes sur terrain pour inspecter les travaux de voirie urbaine. C'est un travail de titan abattu par cette équipe gouvernementale qui mérite des éloges, estime la population. Je félicite l'excellence Moïse Katumbi Tchapwe, qui est à la tête de l'exécutif provincial. Gouverneur d'Afrique centrale, c'est lui, prêtre de prêtres, sans conquérant. Il y a autant de gouvernements qui se sont passés, mais ce qui a été réalisé en moins de 5 ans ou en 5 ans durant son mandat, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que nous qui venions en mission au Katanga avant d'être installés ici, le Katanga c'était comme une province qui avait connu la guerre, on n'a jamais connu la guerre ici. C'est comme si les rues, les routes étaient bombardées, on n'y avait jamais eu de bombardement ici. Donc la province est en train d'avancer. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret pour nous tous ici, c'est la province pilote. Tous les exemples, durant ces mandats, j'ai vu
les assemblées provinciales d'autres provinces venir voir un peu ce qui se passe au Katanga parce qu'on en parle. J'ai vu des gouverneurs venir voir un peu ce que Moïse fait parce qu'on en parle. J'ai vu de telle ou telle autre délégation étrangère voir un peu le Katanga parce qu'on en parle dans le bon sens, dans le sens du travail bien fait. Donc voilà, c'est moi je dirais une bonne gestion. Et d'ailleurs, vous suivez que la population est en train de pleurer par celle que nous appelons la retraite anticipée du gouverneur. C'est une preuve que le gouverneur a bien fait son travail. Moi je crois que ce sont les gens, on ne peut pas les citer ici. Pour moi, je dis qu'il a la vision, il rêvait, hein? C'est comme Martin Luther King, il a un dream. Lui aussi, il avait un rêve, il avait la vision, et c'est ce qu'on est en train de voir. Pour moi, ça me fait la fierté, je peux rouler. Bon, j'étais quelque part dans un pays où j'ai trouvé dans une capitale des robots. Aujourd'hui, à Lubumbashi, vous pouvez compter des centaines et des centaines. Le courant électrique, presque inexistant dans certaines communes de Lubumbashi, deviendra d'ici peu une réalité grâce à l'implantation de cette sous-station de la Katuba par l'exécutif provincial pour pallier à cette situation qui va soulager ses habitants. Les avancements sont, comme vous pourrez le voir, déjà fortement avancés. Nous espérons pouvoir remettre les clés à la SNEL pour la fin de ce mois-ci. Ce qui veut dire 3 mois avant date. Et par rapport au gouvernement de Katuba? Ah, lui, c'est quelqu'un qui j'ai vu une fois et qui m'a laissé très bonne impression. C'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses. À l'autre bout de la ville, transformé en chantier, un pont à béton armé est jeté au quartier Bel Air pour le passage des véhicules à gros tonnage et autres véhicules pour une longue durée de vie. Le souhait de Moïse Katumbi Tshapwe était de faire de cette ville une ville moderne qui n'aura rien envié aux grandes mégapoles africaines. Sur la route vers Kolwezi à Lisanu, nous avons fait un virage vers la route Kasenga pour avoir le cœur net sur la réhabilitation. Un chauffeur témoigne d'une réflexion parfaite de cette route. La route Kasenga, c'était une route qui n'était pas praticable. Voilà, avec l'apport du gouverneur de la province Moïse Katumbi, nous pouvons rouler sans problème et arriver à destination dans quelques minutes. Sur la route menant vers Kolwezi à Lisanu, c'est la nuée de poussière qui accueille les voyageurs au risque d'assister à des scènes d'accident parce que seulement le conducteur ne sait pas apercevoir un autre véhicule qui vient. À notre arrivée, nous sommes accueillis par le drapeau de Kolwezi peint aux couleurs de la ville, c'est-à-dire le bleu et blanc, avant de nous introduire à la mairie de Kolwezi, très bien entretenue, clôturée et présentant un bel aspect. Elle est tenue par Madame Charlotte Chiminjinga, première femme à occuper cette maison de l'hôtel de ville qui nous a réservé un accueil chaleureux. À Kolwezi, poumon de la République démocratique du Congo, on y trouve plusieurs ronds-points, notamment celui avec un engin et l'effigie de Femme Laurent Désiré Kabila, appelé Mwangeji, et déduit certainement les idiots de ce dernier qui a interpellé les Congolais à se prendre en charge. Message qui est bien perçu par les habitants de Kolwezi et mis en pratique. À 42 km de la route vers Likasi où nous nous sommes arrêtés, ici c'est au village Kiawama, un centre médical de type moderne avec tous les services est en pleine construction,
pour garantir les soins des malades dans cette partie de la province. À nouveau sur le chemin de retour au centre-ville, à bord de notre véhicule, nous avons pris notre temps pour visiter l'université de Colouésie qui, grâce au financement du gouvernement provincial, est en train de recevoir des travaux de finissage pour permettre à ses étudiants d'acquérir la matière dans des conditions humaines. À voir cet investissement, ce sont des millions de dollars qui ont été mis en jeu pour la construction de ces bâtiments. Aussitôt remonté dans la Jeep, direction Aéroport National de Colouésie. De bout en bout, toute la piste a été remise en état grâce à l'homme du slogan Tumechoka Mateso qui en a ras-le-bol de voir sa population souffrir. Il décida ainsi de sécuriser les passagers et les agents qui y travaillent car ils sont tous ses frères congolais. À l'entrée, il est érigé un marché d'œuvres d'art pour permettre aux visiteurs d'emporter quelques œuvres comme souvenir des richesses du sol katongais. Empruntant la route de desserte agricole, elle nous a conduit jusqu'à l'école du Saint-Conteneur, en construction dans toutes les juridictions de la province du Katanga pour immortaliser le Saint-Conteneur de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Congo. Le maire de la ville, quant à elle, garde un œil sur ses travaux afin qu'ils soient appréciables et dignes de la taille de l'argent déboursé. De ce pas, nous avons visité l'école primaire Mwangeji dans la commune de Manika. Voilà l'image qu'elle donnait. On se croirait au XVIIIe siècle alors qu'on en est en plein XXIe siècle où toutes les choses changent. Cette école comptait 4 locaux avec des élèves assis sur les briques, confinés dans les salles de classe comme dans une boîte de sardines. Pour pallier à cette précarité, plusieurs autres salles de classe sont en train de prendre forme et de toilettes déjà prêtes à utiliser pour des garçons et filles. Dans le secteur du social, une morgue est en construction en face du cimetière derrière l'hôpital général de Mwangeji qui porte également le même nom. Ici à Colouésie, toutes les arbres plantés au bord de la route servent à l'embellissement de la ville car les racines de ces arbres sont peints en blanc comme les bordures des routes. Certains bus de transport d'ailleurs en commun sont peints aux couleurs de la ville. À nouveau dans la Jeep 4x4, nous découvrons d'autres merveilles. Les routes et grandes artères asphaltées grâce à la vigilance du maire et de son cabinet, les ronds-points bien tenus donc propres, la circulation apaisée, c'est le mode de vie à Colouésie qui est à imiter. Sous l'impulsion de l'exécutif provincial, enfin les étudiants de l'ISTA, Institut supérieur de techniques appliquées Colouésie, peuvent suivre les cours dans des auditoires modernes dignes de ce nom avec des places assises, sonorisation, salles aérées avec des tableaux tout blancs de dernière technologie. Il faudra dire merci à Moïse Katumbi Tchapwe, l'auteur de ces merveilles, on entend dire dans la population. À quelques mètres de là, les différentes bâtisses publiques vétustes ont, après plusieurs moments de délabrement, reçu une nouvelle touche de peinture, tôle, bref, une nouvelle bouffée d'oxygène. C'est le cas de l'inspection urbaine du travail, le ministère de l'économie et de l'urbanisme. La justice y est aussi représentée avec le parquet de grande instance pour mettre en pratique l'opération Tolérance Zéro, une opération de lutte contre la corruption et la gabégie financière. Sur la route vers le stade Diour, en passant par la maison communale de Manika, des tranchées ont été construites pour la canalisation des eaux de pluie. Ce stade de grande envergure est réhabilité par le gouvernement Katumbi avec l'appui de ses partenaires étant donné que le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe est le premier sportif de la province. Voilà le travail qui ne peut être fait que par lui. D'ici peu, il va revêtir d'une pelouse synthétique. Dans les gradins, des sièges sont placés pour les amoureux du roi football afin de suivre les matchs dans des conditions confortables. Sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Katanga, il y a aussi une nette avancée qui est très prononcée et même significative du point de vue reconstruction. Vous avez vous-même observé que la ville est en train de se transformer. Nous avons été dotés aussi des tracteurs, des grands et des petits, pour permettre à ce que la population qui désire faire ce travail-là puisse bien le faire. Il y a des engins pour l'assainissement de la ville.
c'est-à-dire pour le vidange de fosses septiques, que sais-je encore. Il y a véhicules pour assainir, c'est-à-dire enlèvement des immondices. Nous avons des motos pour les immondices encore. Nous avons aussi des engins pour terrassement. Là, nous avons des chargeuses, nous avons tractopelles, nous avons dozers, compacteurs, que sais-je encore. C'est pour nous permettre de refaire tant soit peu les routes de desserte agricole, d'assainir la ville et de refaire quelques avenues sur la ville. Son leitmotiv quand il faisait sa campagne de 2005-2006, c'était « Nous sommes fatigués de souffrir » et il a essayé tant bien que mal, malgré les difficultés, malgré les sabotages, tout tant bien que mal, de donner ce qu'il pouvait donner. Et c'est ce qui fait sa crédibilité et son honorabilité. Nous estimons à notre humble avis que ce qu'il a commencé ne peut être stabilisé et bien finalisé que par lui-même. Nous ne disons pas qu'il est éternel, nous ne disons pas qu'il est irremplaçable, mais il a suscité beaucoup d'espoir et il est le seul à pouvoir stabiliser cet élan qu'il a suscité, à pouvoir l'orienter afin de laisser des bonnes bases solides à son successeur. Nous sommes non seulement contents de lui, mais aussi nous sommes fiers de lui en tant que fils de l'Église, en tant que disciple du Christ. Et ici je dis merci à l'Éternel, a eu la chance d'avoir ce jeune gouverneur à la tête d'une équipe gouvernementale assez compétente. Et c'est ainsi que je ne m'empêche de vous dire que nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Après avoir sillonné beaucoup des contrées du Katanga, beaucoup de nos compatriotes ont conclu ceci sur Moïse Katumbi Tshapwe. Voici l'homme qui a démontré qu'avec un peu de volonté, on peut lever nos fronts longtemps courbés, c'est-à-dire développer notre pays. Malheureusement, dans notre pays, nous utilisons le panier à crabe. Quand une personne se distingue dans le bien, on veut à tout prix le tirer vers le bas. Quand quelqu'un fait du bien, ayons le courage de dire qu'il a fait du bien. Ayons le courage de le dire. Bon, je suis venu voir le gouverneur. Vous savez que nous sommes de la même famille politique et du même parti. Et que nous sommes tous alignés pour la défense de la candidature du chef de l'État. Je suis heureux de découvrir qu'il a planifié énormément de stratégies pour faire élire suffisamment le chef de l'État. Mais vous savez aussi que c'est important de le voir, même s'il n'est pas candidat député national, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, son aura plane sur l'électorat. Donc il est important de discuter avec lui. Je lui ai aussi rappelé que chaque fois qu'il y avait des occasions, j'ai donné mon appréciation sur son travail. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a fait un très bon travail au Katanga et je suis à Lubumbashi en train de vivre ce que les gens disent, en train de suivre tous ces mouvements de soutien, tous ces mouvements d'opposition à sa retraite. Et je lui ai demandé d'avoir une oreille attentive pour le peuple, parce que dit-on, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà pourquoi les détracteurs de Moïse Katumbi Tshapwe veulent sa tête. Et pour ne pas y laisser sa peau, il décide de se retirer de la scène politique, ce qui n'enchante pas la population katongaise qui refuse le retrait qu'elle estime prématuré et ne veulent pas lâcher cet homme qui, pour elle, est le libérateur, l'homme du social. Comment Anacha, il va tuer la population? Donc, s'il aime réellement la population, il doit être là. Acha kitu kizuri unakuwa na lawama sasa. Maana yake kama kitu kinyekini kizuri nasailia watu na watu wanapenda ukue pale ukasema unaacha huo ndio unapata lawama. Inakuwa grave surtout wakati tuona kuma candidature au niveau national akuwa twende tumone tumwambie mujina wa nduku yake wote wazaliwa wa hii province. Cette même population sait que si Moïse Katumbi se retire dans le silence de la vie,
et qui regardait attentivement au-dedans de lui-même et dans le regard de ceux qu'il aime et qui l'ont toujours soutenu, il comprendra que sa tâche est encore loin d'être finie et qu'il doit continuer. Ousema, baba gouverneur, tu n'as qu'à t'aller. Je suis en pétition de la retraite politique. Je suis en train de faire un chapeau de la Chima et de la Yangu. Je suis en train de faire un chapeau de la Chima et de la Yangu. Faire en sorte que la justice puisse être dite d'une façon normale parce que nous allons bien vers un état de droit. Et ce procès, plus exactement cette procédure, constitue une étape importante vers l'état de droit.
rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec le mien, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Donc, je vais pour consoler d'abord ma population. Après 3 ans d'exil, l'opposant Moïse Katumbi est rentré en RDC. Il a été accueilli par plusieurs milliers de personnes à Lubumbashi. 3 ans jour pour jour après son départ en exil que Moïse Katumbi a de nouveau foulé son sol natal. Habillé de blanc, ses supporters sont venus en nombre accueillir leur messie. Moindre. Son arrivée peut faire l'impact dans beaucoup de choses, au niveau économique, au niveau social. C'est pour la paix, je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays. Et surtout pour défendre les intérêts du peuple congolais et défendre notre constitution. Vous savez, la vérité était dit, je n'ai rien fait, je me sens chez moi, je suis de retour chez moi. Je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport.